ce que vient de me dire Patrick? Non. Tu sais ce qu'il m'a dit? Qui? Patrick, qu'à chaque fois qu'il voyait la pub pour les biscottes, il pensait à nous. Laquelle? Celle du couple de mannequins qui prend son petit déjeuner au lit. Manger biscottes, ouais. Mais non, mais ils baissent plus, ils sont obsédés par les fibres. Si on ressemble déjà à ce couple-là, on court à la catastrophe. Alors du coup, je lui ai dit qu'on se quittait. Hein? À Patrick, je lui ai dit qu'on se quittait. Mais ça va pas, qu'est-ce qui t'a pris, t'es folle? Je suis désexualisée. Mais c'est pas grave, dans 2 heures, je lui dirais que c'était une blague. Mais c'est pas une blague, ça, Claire, c'est complètement con. Néanmoins, j'ai des raisons de me réjouir, comme tous les hommes ici d'ailleurs. Moi, ça m'étonne pas ces trucs-là. Claire, elle te correspond plus. Mais je dis pas du mal de Bruno, simplement il a un côté plan-plan et ça te correspond pas. Ah, c'est moi, plan-plan. Patrick dit que vous n'étiez pas fait l'un pour l'autre. Ça m'attriste pas tant que ça, cette séparation. Quand on s'entend pas, vaut mieux se séparer avant de faire des gosses. Au fond, j'aime pas Claire. Il trouve qu'on s'est connus trop jeunes et que t'es trop mou. Non, j'ai jamais dit mou. Alors tu dis plus. Ils ont toujours su qu'on se séparerait. Même les déménageurs. Donnez pas l'image d'un couple qui s'éclate au lit, voilà. Enfin, mais comment tu peux dire ça? T'en sais rien. Tu me l'as dit. Donc là, je vous considère comme libre. Vous retrouvez un peu du piquant qui vous manquait, là? Tu lui as dit quoi? Je lui ai dit qu'on avait couché ensemble. Mais enfin, Axel, t'es folle. Bah quoi, on n'a pas couché ensemble? Il y a des jeux qui peuvent mal tourner. Pourquoi? Parce que j'ai très envie de faire l'amour avec vous, maintenant, dans cette maison. Faut arrêter ce petit jeu, Claire, c'est plus possible. Mais c'est vrai que t'es con. Voilà, toi t'es franche, au moins. C'est réussi comme journée, hein.